to your favorite modern world. Salut tout le monde! Un samedi après-midi ensoleillé, alors que le groupe français Hypnose allait se produire à la Laiterie, j'ai téléchargé leur dernier album, Sheol, avant d'aller au concert, histoire de mieux connaître leur musique. Je dois encore une fois la découverte de ce quatuor à Stéphane Gallet, qui avait parlé à plusieurs reprises de leurs albums et écrit un live report sur leur passage à Genève. J'avoue que, comme lui, je n'étais pas à 100% convaincu par leur musique jusqu'à Sheol. Mais un concert de post-metal atmosphérique près de la maison, ça ne se refuse pas. J'ai fait tourner Sheol à plusieurs reprises dans le salon et je me suis dit que finalement la soirée pourrait être plus intéressante que prévu. Sheol est un album 6 titres d'un peu plus d'une heure avec 3 morceaux de plus de 12 minutes où se mélangent metal, post-rock, instruments à cordes, extrait audio, growl et chant clair. Un savant mélange de genres et de langues, puisque vous pouvez y entendre du français, de l'anglais ainsi que de l'espagnol dans les textes. Hypnose joue de contraste avec leur musique, de l'éthéré au gros poutrage se succèdent comme le chant clair et le growl. Une écriture qui me fait songer parfois aux jeunes années de Haken. Pour vous donner une petite idée, le titre Sheol se joue à la mandoline sur un poème de César Vallejo, déclamé en espagnol et se poursuit par une charge de growl et du chant clair mélancolique avant de donner dans le djent post-rock. Vous suivez? Tant mieux, parce que Toka ressemble à s'y méprendre à du Genesis avec sa guitare acoustique et son chant à la manière de Anasazi. Inside mirror room, spares from the case. A blast lays there in a nameless mist. Et puis il y a des morceaux qui soufflent le chaud et le froid, comme The Dreamer on His Dream, qui alternent chant délicat et growl dévastateur. En plus de tous ces mélanges de genres, Hypnose n'est pas avare de sonorités, instruments classiques, bruitages, extraits de films comme celui des Enfants du Paradis ou poèmes avec SS. Sheol va bien au-delà du simple album de post-metal. C'est une exploration sonore d'une infinie richesse, cinématique, violente et poétique. Alors à ma propre surprise, je suis tombé amoureux de cet album et il rentre de ce pas dans mon top 2023. N'hésitez pas à les écouter, leur discographie est à découvrir sur Bandcamp sans modération et en live, c'est vraiment excellent. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, chaque semaine je vous proposerai un nouvel album. Et d'ici lundi, passez une bonne semaine, bisous.